alors Sophie Mazenot-Chapuis, donc je suis de l'Isère, Grenoble, section de Grenoble. J'ai 22 ans, je suis étudiante et je suis arrivée au parti il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Du coup, je suis arrivée, j'étais pas mal engagée sur des questions de féminisme notamment. Parce que bah, aujourd'hui, on arrive dans une société où, dans d'autres pays d'Europe notamment, il y a un certain nombre de pays dans lesquels les droits des femmes ont été clairement remis en cause, comme le droit d'avortement, notamment en Espagne récemment. Et je pense que c'est non pas des acquis, mais des conquis, et qu'il faut se battre pour les garder et se battre pour les continuer. Et je trouve que c'est une problématique que le parti bah, porte et revendique. Alors déjà, c'est mon premier congrès, donc déjà, je vais regarder comment ça fonctionne, comment ça se passe. C'est pas un événement auquel on assiste bah, régulièrement. J'attends bah, de voir comment on va évoluer dans les années qui viennent. Parce que bah, j'ai pas beaucoup de recul sur le parti parce que bah, du coup j'y suis depuis pas très longtemps. Et c'est voir comment, sur quoi on va travailler dans les années qui viennent, voir comment on va faire perdurer les belles valeurs communistes, voir comment on va continuer à travailler, puis voir comment on va. Évidemment, comment on va s'organiser pour 2017, avoir une petite idée et commencer à travailler là-dessus.